Perrault me soumet un scénario. Il avait écrit un scénario sur lequel il racontait l'histoire d'une fille de l'île aux Coudes qui était assez malheureuse parce qu'elle était venue vivre à Montréal puis retournait à l'île aux Coudes. Okay. Puis, tu sais, ça devait être réalisé par Paul Blouin, c'est ça, de Radio-Canada. J'ai proposé un contrat dans lequel il partagerait une réalisation avec Michel. Okay. Et puis dans lequel il commencerait par aller faire enquête à l'île aux Coudes pour voir qu'est-ce qui peut sortir de l'île aux Coudes plutôt que suivre le scénario. Puis Perrault a accepté. Il n'était pas trop content à l'époque, mais tu sais. Okay. Puis il a découvert le direct, ouais. Ce qu'il ne connaissait pas. C'est ça. Puis ça a été un émerveillement pour lui. Puis il faut que je lui rende l'hommage qu'il s'est converti rapidement à ça. Et ils ont fait une équipe avec Marcel Carrière, dont le rôle est très important pour la suite du monde. Mm-hmm. Ils ont fait une équipe vraiment productive. Ça fait qu'il s'est fait quelques mois de recherche. Parfois, c'était une recherche accompagnée d'une caméra. Puis finalement, le projet de la chasse aux marsouins est apparu. Et puis, tout s'est organisé autour de ça. Mais il n'y a jamais eu de scénario pour la suite du monde. Il y a eu une piste, là, on travaille sur la quête du marsouin, etc. Aujourd'hui, moi, quand je revois le film, c'est une perception qui est arrivée plus tard, mais je me rends compte un peu plus clairement de l'apport de chacun. Il y a un caractère ludique dans Pour la suite du monde, là, tout le jeu des personnages, puis ça, mm-hmm. ça vient bien plus de Michel Beau que de, okay. que de Pierre, parce que Pierre, il n'y a pas ça dans le reste de ses films. Tu sais. Mais par contre, tout le fondement, l'amour de la Nouvelle-France, tout le fondement de l'admiration qu'il y avait pour les gens, ça, c'est du Perrault pur. Mm-hmm. Puis Carrière joue un rôle très important, lui, là-dedans, parce que à la fois, c'est un facilitateur, puis il permet au son de suivre ce mouvement-là, ce que le son ne pouvait pas faire à l'époque. Tu sais. Il invente beaucoup, beaucoup de choses pour arriver à avoir un son flexible qui s'adapte à ce qui se passe plutôt que de l'encadrer. Donc, Marcel Carrière qui... Il a inventé beaucoup, beaucoup de choses. Là. C'est lui qui a inventé le micro-radio. Il tournait un film sur Stravinsky, c'est-à-dire il était le preneur de son pour un réalisateur anglophone qui tournait un film sur Stravinsky. Puis il voulait, il y avait un plan extérieur sur un patois à Toronto dans lequel il accompagnait Stravinsky, puis il voulait le son à Marcel. Mais Stravinsky se laissait pas enchaîner par des câbles, puis il suivait, tout ça. Fait que Marcel est allé dans un magasin de jouets, il a acheté un petit module, tu sais, les radios qui font circuler les petites autos, là, okay. Il a bricolé son micro à cette petite radio-là. Okay. Et puis grâce à ça, il y avait une certaine distance, une vingtaine de pieds qu'il pouvait essayer une vingtaine de pieds de Stravinsky, il recevait le son puis il pouvait l'enregistrer. Okay. Et c'est de là qu'est née l'invention du micro-radio. Mm-hmm.